Mae. Aye mama. Aye mama. Aye mama. Je l'aime, c'est vrai, c'est ma maman. Maman, c'est toi-même qui as demandé à voir Pauline. Mais reçois-le, même pas une bière. Depuis quand c'est la belle-mère qui reçoit le beau-fils? Elle a un peu raison quand même, hein. N'insiste pas, s'il te plaît. Maman, ne me souille pas comme ça. Tu as quand même un gros nom à défendre. Attends, tu es quand même une sommité au marché Mokolo, la célèbre Ngatu Chimène. Ah, laisse tomber mon cœur. Moi-même, je vais offrir une bière à ta mère. Elle le mérite bien. Non, non. Je ne peux pas goûter à la bière d'un homme pour le moment. Je veux d'abord être convaincue. Tu veux encore te convaincre de quoi, maman? Tu sais bien que j'aime Pauline de tout mon cœur. Ne t'inquiète pas, hein. Ça ne va pas tarder. Bientôt, j'en aurai la certitude. Ta mère veut sûrement te mettre à l'épreuve. Me mettre à l'épreuve de quoi? Attends, je dois la convaincre que j'aime mon gars. Mais c'est Pauline qui a besoin de démonstration, pas toi. Effectivement. Mais ça peut être intéressant. J'ai envie de voir cette démonstration. Tatiana, c'est à toi de me dire. Dis-moi que j'ai ton autorisation pour te passer à l'épreuve. Même si il faut embrasser Pauline devant toi, ça ne peut pas me dépasser. Tu embrasses qui devant moi? Tu es malade. N'imagine jamais un pareil scénario. Parce que ma réaction serait d'une brutalité dévastatrice. Oui, je sais. Pas besoin de me rappeler que tu as raté ta vocation de catcheuse professionnelle. Voilà. Abaisse ça alors, belle-mère. Et pourquoi tu es passé à côté de ta vraie vocation? Parce qu'à Montagne, il n'avait pas encore de fédération au pays. J'imagine Francis Ngannou version féminine. Ça va produire les intincelles, hein? Toc, 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 toc. Entrez. Tu ne demandes pas qui c'est. Ça peut être un bandit. Bonsoir tout le monde. Tiras. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais à Douala. Bah, c'est ta mère qui a fait appel à moi. Maman, tu n'as pas osé faire ça? Bien sûr que si. Tu m'en as donné l'autorisation il y a une minute. Tu t'en souviens, non? Mais tu n'es plus chaude pour passer cette épreuve. Maman, blague, ça c'était gratuit. Ça frise un peu de la sorcellerie. Sorcellerie? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? On dirait que je suis pas le bienvenu. Bien sûr que tu es le bienvenu. N'est-ce pas, Tatiana? Assois-toi donc. Tatiana, sois un peu polie. Mais fais les présentations, non? Maman, ne m'adresse plus jamais la parole. Oh, tu ne bouges pas d'ici. Dépose tes fesses gentiment dans ce canapé. Si tu ne veux pas me voir en pleine transmutation. Mais qu'est-ce qui se passe? Mettez-moi la page, s'il vous plaît. Chérie, qui est ce mec? Chérie? Ça alors, je suis curieux de savoir ce que je suis. Vas-y, réponds-moi à sa question. C'est moi qui t'ai appelé ici. Attends, demande à ton autre de te faire les présentations elle-même. Elle va devoir finir ce qu'elle a commencé. Pas du tout. Je veux l'entendre de ta propre bouche.
Présente-moi toi-même. Je demandais. C'est la présentation là qui pèse comme ça. Ok. Je me présente. Moi, c'est Paulin Esomba. Le fiancé de Tatiana. Et le beau-fils adoré de Chimène Gatier. Hé, hey, pardon. C'est moi qui t'ai dit que je t'adorais. J'adore quoi sur toi? Argent, tu n'as pas. Beauté, tu n'as pas. Et tu viens ouvrir ta large galerie. Et qui est un beau-fils aimé de Madame Mathieu. Et dépose mon nom. Ha! Cette épreuve devient complexe, hein? C'est une équation à deux inconnus. Ok. On vient de connaître X. Hmm? Reste à savoir qui est Y. Ne me dérangez pas. C'est moi qui t'ai appelé ici. Oula. Voici le fiancé de Tatiana ici présent. Il s'appelle Terence. Il vit à Douala. Je crois bien que c'est lui qui s'occupe d'elle. Maman, tu es criminel. Tu viens de me crucifier sur la croix du Christ. Non. J'ai fait mon devoir. Je veux t'éviter des erreurs qui peuvent compromettre tes chances de trouver le bonheur. Donc je suis cocu. Moi qui te faisais confiance. Je te faisais confiance. J'étais prêt à donner ma vie pour toi. Maman, tu vois ton travail. C'est de ta faute. Dans tout ça, tu n'as même pas le courage de me regarder en face. De me répondre franchement. Maman, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Je veux que tu fasses un choix, une fois pour toutes. Je ne veux pas te voir cumuler deux hommes dans ta vie, mais ce n'est pas digne de toi. Tu m'as dit toi-même que j'ai un gros nom à défendre, non? Eh bien, il en va de mon image, à moi aussi. Je crois que j'ai aussi mon mot à dire dans ce bric-à-brac. Tatiana, donc tu me trompes avec ce mec? Regarde bien, regarde-moi bien, un beau mec choco que je suis. Franchement, tu me déçois. Eh non, monsieur. Toi-même, tu n'es pas un saint. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai organisé cette confrontation pour qu'elle fasse son choix. Le bon choix de son cœur. Maman, écoute, je vais lui faciliter la tâche. Je vais m'en aller. Terence, s'il te plaît, ne t'en vas pas. Ah, ok. Je crois que j'ai compris. C'est moi qui dois dégager d'ici. Paulin, s'il te plaît, ne t'en vas pas. C'est incroyable. Tu les aimes tous les deux à la fois. Asseyez-vous tous les deux. Celui qui est sage s'assoit. Oh. En fait, je vous aime tous les deux. Parce que vous êtes complémentaires. L'un possède ce que l'autre n'a pas. Pourquoi tu m'as jamais dit ce qui me manque? Le dialogue ne passe pas entre nous. Ce qui te manque est indépendant de ta volonté. Je risque de te frustrer en te crachant cela au visage. Crache le morceau. On est là pour encaisser tout ça. Paulin, tu n'as pas d'argent. Tu es très fauché. Et moi, je suis une femme qui a des besoins, des vrais besoins. Si je puis me permettre, donc c'est mon argent qui entretient votre relation. Oh, calme-toi. Et cherche plutôt ce qui te manque à toi aussi. Mais ça peut t'aider, on ne sait jamais. Je ne veux pas le savoir. Ça ne me servirait plus à rien, vu que je ne suis plus là. Terence, je sais que ça va te décevoir. Mais sache que tu manques d'attention. Tu n'es pas présent dans ma vie. Tu es toujours occupé. Bon, tu n'as même pas le temps de me satisfaire. Je suis désolée. Je ne peux pas faire un choix entre vous deux.
C'est très difficile. Hé Bangolo, qu'est-ce que tu crois? Je ne t'ai jamais aimé. Jamais. C'est ton argent que je mets. Moi, j'aime une autre fille. Elle s'appelle Bijou. Donc, je te conseille d'arranger avec ton financier. Et puis même, basta. Je me doutais que Polo était louche. Ses yeux noirs comme le charbon là n'ont jamais soutenu mon regard. Il osa se prendre pour un beau gosse choco. Laid comme le diable même. Moi aussi, je n'ai pas été sincère avec toi. En fait, je n'ai pas été avec toi d'un seul cœur. Il me fallait choisir entre toi et une autre qui s'appelle Laura B. Et je viens de comprendre ce qu'il me reste à faire. Adieu. Bon, voici alors. Viens me taper. Dis-moi que je t'ai pas rendu service. Le plus important est que tu sois en paix avec toi-même. Mentir à deux hommes-là, c'est vivre en captivité. Où tes esprits seront toujours dispersés. La paix de l'esprit fait de toi une femme vraie avec toi-même. À présent, tu sais déjà exactement ce que tu veux, non? Si tu veux, tu sautes, tu cales en l'air, je m'en fous. Gâté, c'est gâté. Oh. Elle va me tuer. Aïe, ah, les enfants de Jésus. Du fond de mon cœur, je te dis merci, maman. Du fond de mon âme, je te dis merci, maman, parce que je te dois. Je te le dois et tu m'as donné la vie.